Ok, ça marche pas. Oh, oh my god, j'espère que ça va pas gâcher mes toasts. Il me lâche plus. Il me lâche plus. Oh oh. Oh. Ah, il fait moins 10. Oh, je peux plus bouger parce que là ça fait beaucoup. 3. T'as jamais fait? J'ai jamais fait ça. Tu pensais que t'en faisais dans le sud et tout? Ah non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Comment ça s'appelle ça? Rumo. C'est pas. Mais c'est la marque, c'est débile. Je suis déçue, je suis désolée. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de tourner, je viens de me réveiller comme d'hab, comme dans toutes mes vidéos. Il y a quelques temps, il y a peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça, je vous avais sorti la vidéo je mange des recettes TikTok pendant 24 heures et vous aviez grave aimé. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une partie 2. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai sélectionné des recettes TikTok trop bonne. J'ai fait des courses. J'espère que bah, ça va être bon et que je vais réussir à les faire parce que c'est pas gagné. Je vais manger ça pendant toute la journée. Petit déj, déjeuner, snack et dîner. Alors il faut savoir un truc, c'est que je devais tourner hier cette vidéo. Sauf qu'on a eu un petit imprévu. Vous allez voir ça dans les vlogs de la semaine prochaine. Normalement ils sont mercredi. J'ai plein de choses à vous annoncer. D'ailleurs il y a des gens qui ont repris la vidéo et qui m'ont tagué au début de la vidéo. Vraiment merci, j'ai tout regardé. C'est trop mignon. Je suis trop contente que ça vous plaise. Alors, première recette. Je vais sur TikTok. Je vous explique. C'est des toasts d'avocat, mais pas n'importe quel toast d'avocat. C'est les toasts d'avocat de Kylie Jenner. En gros, elle a une manière un petit peu particulière de les faire. Elle met du miel, donc on va regarder ça tout de suite. I've seen everyone talking about Kylie's avocado toast recipe, so I had to try it out. Give them a really good mash and add it to your sourdough. We're adding honey. You want to drizzle it all over your toast, add red pepper flakes and a pinch of salt, and you are ready to enjoy. On va tester. Honnêtement, je suis pas le genre de personne contre les mélanges sucrés-salés, mais juste je suis pas la plus grande des fans. Genre, je vais pas prendre une pizza chèvre miel, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. On va voir si ça passe en toast d'avocat. En Sicile, comment vous dire que le pain. C'est pas trop ça. Il n'y a pas de pain à toast quoi. Vous savez les beaux pains de boulangerie bien tranchés, tout beau. Non, il n'y a pas ça ici. Du coup, on a pris un espèce de pain carré mais un peu à toaster. Pain carré, pain de mie. Pourquoi le pain carré? Ah, c'est parce qu'il y a marqué ça. En sachant que je n'ai pas gré de pain, donc je vais faire ça à la poêle. C'est pas grave, bon après ça changera pas le goût de l'avocat avec du miel. Donc, on va faire ça. Est-ce qu'elle fait partie de la team des gens, je me souviens plus, qui écrasent leur avocat sur leur toast directement? Mais faudra me dire où vous trouvez vos avocats, parce que alors moi, avant déjà que je trouve un avocat meilleur, il me faut des jours. Non, c'est bon, elle fait dans un bol. D'ailleurs vous, vous êtes pour ou contre les mélanges un peu sucré-salé là? Genre les pizzas à l'ananas, ce genre de trucs. J'ai acheté du red pepper flakes, on en aura besoin dans plusieurs fois dans la journée. En fait c'est un peu du piment, genre des flocons de piment. L'astuce de Jérémy, je vous la montre. C'est lui qui me l'a appris. Est-ce que vous faites ça? Ok, ça marche pas. Ok, ça marche pas. Oh, mais il veut pas s'enfoncer dans. Je vais faire de la merde. Ok, je vous montre pas. J'en reviens pas que je vais faire des toasts d'avocat sur du pain de mie. Je trouve que c'est un sacrilège. Genre, faut le faire sur du vrai pain. Allez, cuit, cuit. Ah, mais c'est en train de brûler, non? Ok, là les choses se compliquent parce que on va mettre du miel. Oh my god, j'espère que ça va pas gâcher mes toasts. Ça me fait un peu peur cette histoire. Oh, si ça gâche mes toasts, je me tue. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de toast d'avocat. J'espère vraiment pas. Et en fait, non, je me rends compte que c'est pas le pire dans l'histoire. C'est de rajouter du piment par-dessus ce miel. Je vais le mettre dans ma main parce qu'on sait comment ça se passe avec moi. Moi j'aime tout ce qui est pimenté. Avec du miel, je ne sais pas. Mais en vrai, Jérémy l'aime pas. Et voilà. En vrai ça a l'air bon hein. Franchement j'ai trop hâte de goûter, j'ai aucune idée de ce que ça donne. Et voilà. Merci beaucoup. Wow, il y a le chaton. J'appelle Air France. Je t'annonce avant tout. Ah il mourra, c'est oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Bon, on verra ce qu'il en a pensé parce que là, Air France, comme par hasard, ils ont répondu pile au moment où j'entre dans la chambre. C'est parti pour le test. Bizarre. Non, c'est trop bizarre. On sent pas le miel. Là, je sens que c'est un peu pimenté, mais genre trop bon pimenté. Ça, c'est trop trop bon. En fait, c'est doux. Le miel, ça fait pas genre super sucré. Ça fait juste quelque chose d'un petit peu plus doux. Je vais regoûter. Ça se trouve, j'ai un truc avec pas beaucoup de miel. Non, mais par contre, c'est super bon. Genre ça. Mais je vais le refaire direct. C'est trop bon. C'est trop bon. Bon, j'ai terminé. Sachez que c'est absolument incroyable. La prochaine fois que je fais les toasts, je ferai comme ça. Donc je recommande. Tu sais ce qu'il y a dedans? Mais en fait, c'est trop bon là, les espèces de flocons de piment. T'as vu? C'est incroyable. Tu sais ce qu'il y a dedans? Non. Du miel. Ah oui, ça oui, oui. C'est avocat, miel, flocons de piment et sel. Il me lâche plus. Il me lâche plus. Genre, c'est ce qu'il fait. Dès que je marche, il me fuit. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. Bon, nous, on se retrouve pour le déjeuner. J'ai déjà hâte. Je pourrais le manger maintenant. Me revoilà, je me suis fait un make-up.
Non mais je me maquille jamais comme ça. Genre limite quand même je sors aux soirées, je me maquille pas comme ça. Mais là je sais pas pourquoi j'avais trop la motivation. Puis j'ai mis une robe et tout. Me demandez pas, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce midi, on va faire des wraps. Je pense que tout le monde a vu la trend qu'il y avait même sur Insta, TikTok, des fameux wraps qu'on replie comme ça sur lui-même. J'ai pu parler. Donc on va faire ça. Je vous montre la vidéo tout de suite. J'ai extrêmement faim, j'en peux plus. J'ai pas de toaster, du coup je vais le faire chauffer à la fin à la poêle. Je vais pas m'en sortir. On va encore manger de l'avocat, bonne nouvelle. Oh là là, c'est insupportable. C'est pas grave, tout va bien se passer. De toute manière, mon pain, c'est genre, enfin mon pain, comment ça s'appelle, mes tortillas, elles sont petites, donc je vais faire plusieurs mini, je pense. Alors, elle commence par découper un petit morceau. Elle met de la mozza. Ça me rappelle trop mon enfance, ces trucs. Oula, hein, ça va suffire. Ça me saoule que ce soit petit. Ensuite, avocado. On va pas en mettre 3 tonnes. Que bon, le but c'est quand même de pouvoir le refermer. Par-dessus, on met du petit bacon. Miam miam miam. J'aime tellement le bacon, c'est ma plus grande passion. Ensuite, de la sauce. On a la sauce César. Je sais pas, elle utilise une sauce blanche. Je sais pas ce que c'est. Oh oh oh. Et voilà. Alors, ça s'annonce compliqué. Elle en met 3 tonnes. Je devrais y arriver quand même. D'accord. Une assiette vite. Bon, résultat. C'est pas ultra instagrammable. Mais en vrai, je suis sûre que ça va être trop trop bon. Ouh, il y a du vent aujourd'hui. Ah, il fait moins 10. C'est grave bon. On n'est pas sur quelque chose de sain du tout. Mais par contre, le seul truc, c'est que ça aurait été grave meilleur dans un toaster. La mozza est pas fondue, enfin les carrés de mozza. C'est trop trop bon. Il fait rentrer, j'ai trop froid. Faut que j'en fasse. Ouais, franchement, c'est grave bon, mais il aurait fallu prendre des plus grandes. Parce que là, du coup, c'est des minus. Faut en faire plusieurs, c'est chiant. Mais c'est grave bon. Viens, je t'apprends. Tu fais des coups, mon père. Ok, je t'apprends. M'en dis pas plus. Ah, la mozza, elle a fondu là. Faut bien mettre beaucoup d'eau. Je peux plus bouger parce que là ça fait beaucoup. 3. Alors, update. Il s'en est passé des choses. En fait, j'ai pas fait le goûter parce que le plat de ce midi, quand je vous dis que c'était bourratif, on était deux grosses patates toute la journée. Mais vraiment deux grosses patates. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire comme recette ce soir? Des pâtes. Des pâtes? Mais pas n'importe quelle pâte. Sauf que je peux pas dire des pâtes à la VO. DKA. J'aime trop ce plan, c'est le meilleur plan de la cuisine. Pour la petite histoire, j'ai été choquée de voir ça sur TikTok parce qu'en fait, c'est une recette que quelqu'un dans ma famille me faisait quand je venais chez elle. Et j'ai été choquée de voir ça sur TikTok. En fait, apparemment, c'est genre la recette de pâte favorite de Gigi Hadid. La sœur de Bella Hadid. Donc du coup, c'est devenu une trend sur TikTok et tout le monde fait ça. Donc aujourd'hui, on va reproduire ça. Alors moi, j'ai jamais fait. T'as jamais fait? J'ai jamais fait ça. Je pensais que t'en faisais dans le sud. Ah non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Genre là, c'est le grand test. Vas-y, viens, on regarde le TikTok ensemble. Nous on va mettre du parmesan que vous vomis là. On commence. Ne dis pas ce mot. On commence par faire cuire des oignons. Des oignons rouges comme on aime. Des grosses peinées. Ah ouais, tu m'as pas mis d'acheter des. Oui, je suis d'accord, j'ai oublié. C'est-à-dire si j'avais pas acheté de pâtes. Ouais. On aurait même pas de pâtes. Oui, comment ça s'appelle ça? Rumo. Ça existe pas. Merde, ouais, c'est la marque, c'est débile. Non mais arrête. C'est... Ma planche, je l'ai mise à la vaisselle, du coup c'est ma demi-planche. Tu veux en acheter une quand? Assistant. Je peux en avoir une. En bref, on commence les pâtes. T'es chaud pour le faire? Quoi? Viens, on met du sel dans les pâtes. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous mettez du sel dans l'eau des pâtes? Jamais, c'est des gens de la Dis Siri, mets un minuteur de 15 minutes.
Il y a plein de mots sur YouTube qu'on peut pas dire. Je peux même pas vous montrer ce qu'on met dedans, mais vous avez compris. C'est l'heure de ça, le trop bon. Pepper Freaks. Tu sais que je vais exactement la même dans ma recette, sauf que je mets de la poudre. On m'a recopié, Gigi a dit. Wow. Ah, dans ta salle, tu mets du beurre? Bah oui, je t'ai dit, c'est exactement la même, sauf qu'il y a des trucs en plus. Nous allons prélever de l'eau des pâtes avec une louche, car nous n'avons pas de. C'est tout sale. Je suis désolée. Tiens, mets sous froid. Je suis désolée. C'est brûlé avec les pâtes. Non, ça manque un peu encore. Vas-y. Dans la petite marmite vide, on va mettre un petit peu d'eau des pâtes, la sauce et les pâtes. Attends, oh, je vais faire un moment ASMR. Je sais que mes doigts, je peux pas pouvoir. C'est ignoble. C'est l'heure du service. Ça a l'air incroyablement bon. Oh là là. Ça a l'air trop bonne. Choquée. T'as pris une photo? Non. Tu veux? J'en prends une pour moi. Mais. Oh, on a oublié un truc? Non, mais. C'est toi le même goût que tes pâtes. Mais oui. En même temps. C'est exactement le même goût que mes pâtes. Je te promets que quand on me l'a fait dans ma famille, il y a un goût spécial. Genre, je te jure. Je suis déçue. Non, franchement, c'est trop bon. Mmh. Un peu trop épicé pour moi. Ouais, t'es fragile de l'épice. Moi, j'aime trop. Désolée. Est-ce que tu veux que je refasse la recette un jour? Avec du fromage. Ah ouais, du vrai fromage? Ouais, trop trop bon le fromage. Bon, on va manger ça. Et puis après, on sera deux énormes patates pour de bon. C'est tellement lourd comme plat. Bon, il est 2h du matin, j'ai oublié de faire une outro. Depuis tout à l'heure, vous savez ce que je suis en train de faire. Je regarde Desperate sur Disney+, avec le chat sur mon ventre dans le lit. Je fais ça depuis genre 2h. On a trop aimé les pâtes, mais par contre, c'est le genre de plat qui t'assomme, t'as envie de dormir juste après. Enfin bref, en tout cas, je recommande les plats. Dites-moi si jamais vous testez des recettes, celles que vous aimez, ce que vous en pensez, etc. En tout cas, si jamais vous me suivez pas déjà sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Je sais qu'il y a beaucoup de monde encore qui regarde mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 100 000, c'est incroyable. Et je prépare plein de superbes choses. Et je vous aime trop, vraiment merci pour votre soutien. Je vous ai fait un petit message ce matin pour Instagram pour vous remercier pour les 90 000. Bon, merci beaucoup, je vous aime trop. Et n'hésitez pas également, du coup, à me suivre sur Instagram. Je suis active tous les jours et j'essaye de répondre à tous vos messages comme je peux. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.